Vous assistez à une première aujourd'hui. C'est la première collectivité en France qui s'engage dans un contrat de fourniture électrique renouvelable et surtout local. Ici, nous sommes au cœur de cette Meurthe-et-Moselle rurale. Qui innove, qui invente ? L'INIE a été quand même précurseur avec l'énergie renouvelable. Nous avons un parc éolien, donc on est baigné dans ce système-là. ENGIE s'est engagé à nos côtés et c'est important quand une grande collectivité publique et un grand groupe travaillent ensemble, à la fois pour s'appuyer sur les ressources dont ils disposent et à la fois pour aussi donner un message positif, celui qu'on peut agir pour consommer proprement. Nous accompagnons donc le département de Meurthe-et-Moselle sur trois points. Le premier, il s'agit de leur fournir une électricité durable, verte. Ensuite, nous nous engageons à accompagner le département dans sa recherche de performance à la fois au sein de ses bâtiments et sur ses installations. Enfin, il est prévu d'étudier le patrimoine du département afin d'examiner l'intérêt d'installer des panneaux solaires. Je ne veux pas oublier non plus les enfants, puisque dans le cadre de cette convention, nous allons accompagner les collégiens dans le cadre du module « J'apprends l'énergie ». Il y a d'autres solutions comme celle-ci à construire pour rester un territoire qui regarde droit devant lui et puis qui aussi parie sur son avenir. Le PPA est donc une formidable opportunité pour contribuer aux objectifs des plans climat régionaux et surtout d'atteindre la neutralité carbone en 2050.